Chaque jour pour moi est un nouveau jour, un peu comme tout le monde. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'un peu spécial. Allez, venez avec moi. Il est 8h du matin. Ma journée débute doucement dans le quartier d'Opéra à Paris. Je me prépare doucement dans ma chambre d'hôtel et aujourd'hui, je suis invité chez M6 pour fêter les 35 ans. Une nouvelle plutôt plaisante, je dois dire. Mais avant ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vous emmène avec moi dans ma journée parisienne typique d'influenceur. L'agence avec qui je travaille, qui s'appelle Sorette Productions, m'a trouvé un hôtel. Parce que hier, j'étais invité à l'avant-première du film de Warner Bros, Les Secrets de Dumbledore. Bref, j'ai vraiment faim et c'est l'heure pour moi d'aller manger. Donc direction le rez-de-chaussée de l'hôtel. Au menu que des bonnes choses, pancakes, gaufres, œufs brouillés, saucisses, que des dingueries hyper caloriques. Mais bon, ce soir je dois être en forme parce que je suis avec Christina Cordula, Stéphane Plaza et Marc Lesgui. Mais avant ça, un petit coup de métro et direction Sorette Productions, l'agence avec qui je travaille. Ok, je viens d'arriver à mon agence qui s'appelle Sorette Productions à Paris. C'est avec eux du coup que je fais plein de projets comme l'avant-première du film des Secrets de Dumbledore hier et M6 ce soir. Donc je suis rentré chez eux il y a vraiment très peu de temps. Et donc du coup là j'ai un peu de montage à faire, donc c'est un petit peu une safe place où je peux me poser et travailler. Les locaux sont clairement dingues et je vous montre juste en quelques secondes à quoi ça ressemble. C'est parti. L'agence, c'est un open space ultra stylé. Pour faire des photos c'est vraiment cool parce que c'est tout blanc. Les gens sont adorables, motivés, travaillent bien et de bonne humeur. Bref, le cadre idéal pour bien évoluer. Parmi eux, il y a aussi une mascotte qui s'appelle Rio et c'est un petit chien. Ici, c'est une safe place. Ça me permet de me poser tranquillement, de travailler et d'avoir la tête au calme. J'ai le temps de travailler rapidement sur mon ordi sur 2-3 shoots que je dois modifier et 2-3 vidéos que je dois monter. Et ensuite, il est temps pour moi de passer devant l'objectif. C'est le moment shooting photo. Le thème, c'est blanc. Et heureusement pour moi, ça match avec l'outfit que j'ai décidé de porter pour la soirée de ce soir. Et les photos serviront pour mon media kit, c'est-à-dire le dossier que mon agence présente aux marques. Allez, shooting terminé, direction les logos d'M6 en métro. Avec moi, il y a deux personnes qui m'accompagnent. Mon agent Evan et la talent manageuse Garance. Ça me permet d'être bien accompagné et d'avoir quelqu'un pour m'aider à filmer pendant l'événement. Et c'est aussi avec Evan que je mets en place les campagnes commerciales avec les marques. C'est mon agent, on se parle tous les jours et on s'entend grave bien. Nous voilà, enfin arrivés. Tout ça, c'est une première pour moi. La soirée se passe sur le rooftop. Il y a un petit bar à volonté, de quoi manger, bref, on est bien. Mais le plus important, il y a Stéphane Plaza et Christina Cordula. C'est grave cool. J'ai passé du temps avec eux tous et j'ai beaucoup parlé avec Marc Lesgui. Ah, j'arrive pas à le dire. Si vous ne savez pas qui c'est le monsieur qui présentait E est égal M6. Et aujourd'hui, c'était à moi de lui apprendre quelque chose. Je lui ai expliqué le travail d'influenceur. Pendant la soirée, il y a les caméras d'M6 pour une rediffusion, mais aussi le TikTok d'M6. Du coup, j'ai du contenu à produire de mon côté. Ah, tu prends maintenant? D'accord. Ah ouais, là, je prends en photo l'appareil photo. Génial, M6, regarde, tu vois. Ah, j'ai la peau, hein. Vu que j'aime la photo, j'ai amené mon petit Fuji et j'ai décidé de prendre quelques portraits. Et il prend les vidéos. Oh la vache. Ok. Deuxième. Ça va, on va être prêt là. Top.
passe à l'époque, il n'y avait pas MTV, Trans TV, il n'y avait rien du tout. Ouais. Il y avait combien? Il y a France, il y a TF1. Ouais. Et bon, bah, encore une expérience du turfu, c'était incroyable. Je vous avoue que j'étais vraiment timide et stressé dans cette soirée-là. Mais j'ai adoré, j'ai pu faire des belles photos. Waiting on the sun to rise. To lift the shadows of the night. Oh my darkness. Encore une journée incroyable. Mais le fait de me retrouver avec des animateurs que je voyais à la télé quand j'étais petit et tout, c'est juste insane. Merci M6 encore pour cette soirée inoubliable. Ça restera gravé dans ma petite tête à jamais. Si à Serette Productions, sans qui tout ça ne serait pas possible. Et surtout, bah, merci à vous de me donner de la force et de me faire vivre mes rêves du turfu. Franchement, je vous en suis grave reconnaissant. Bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Turning dead in the light.